Jean Mériot vous présente la recette de la semaine. Alors, les cannelés, qu'est-ce qu'on met dans les cannelés? Du lait entier, indispensable. Le lait entier parce qu'il y a la matière grasse dedans. Ça, il faut la garder. La crème qu'il y a dedans, il faut la garder. Donc, on va partir sur un demi-litre de lait entier. 500 grammes. Voilà, 500 grammes. Moi, je pèse. Hein. Je prends un principe qu'il est plus facile de définir en poids les choses qu'en litre, ou en décilitre ou en millilitre. On est beaucoup plus précis. Et puis, la bascule, une fois qu'elle est réglée, on n'y touche plus. On fait tard à chaque fois. Un point, c'est tout. Et ça évite les erreurs. Donc, je mets tout en grammes. C'est beaucoup plus facile. Alors, 500 grammes de lait. Souvent, le poids spécifique d'un produit à un autre est à peu près le même. Sur des liquides comme ça, ça ne change pas beaucoup. Hein. Oui, hein, si vous mettez 500 grammes de millilitre, on est à 2 grammes et quelques. À 1 gramme et demi, 2 grammes doit être pareil. Hein. Donc, ça ne changera pas la recette. Alors, 500 grammes de lait entier, 25 grammes de beurre, 245 grammes de sucre semoule, 135 grammes de farine de bonne qualité et 3 œufs, une gousse de vanille et 20 grammes de rhum ambré de qualité. Ça ne sert à rien de mettre du rhum qui ne vaut rien, parce qu'à la cuisson, il aura tout disparu, il n'aura aucun parfum. Il faut prendre un rhum de qualité, c'est indispensable. Oui, il ne doit pas s'évaporer. Voilà, il va rester, il va donner sa saveur, son goût, là, ça va parfumer le gâteau comme il se doit. Un rhum blanc de mauvaise qualité servira absolument à rien. N'en mettez pas, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux prendre un produit de qualité. Alors, comment on procède? Une casserole. Alors là, pour cette recette-là, on va parler en centimètres. C'est notre casserole de 20 cm qui va être... Ouais. Qui va nous servir, il faut qu'on aille vite un petit peu. Donc, il ne faut pas que le liquide soit à haut dans la casserole. Il faut qu'il soit un peu à plat. Donc, on prend des casseroles un peu plus larges pour aller un peu plus vite. Donc, on met notre demi-litre de lait entier. On met notre beurre, notre vanille, notre gousse de vanille qu'on aura fendue sur la partie large. Ouais. Alors, la technique pour fendre une gousse de vanille, vous les mettez sur votre table et avec votre couteau, vous l'écrasez un petit peu. Vous l'appuyez sur la partie plate. Et après, vous allez la couper en deux par le milieu. Gratter les petits bouts de grains de vanille, les mettre dans le lait. On ne met pas la gousse. On met la gousse aussi. Aussi. On met tout l'ensemble. Hein. Alors moi, je coupe en deux la gousse par le milieu. Oui. Et je mets tout ça dedans une fois que ça a été gratté, à bouillir avec le beurre. Ensuite, on met dans notre batteur, notre farine, notre sucre. On va verser là-dessus le lait en bouillant en 3 fois. D'accord. On fait tourner le batteur, on met un tiers du lait, on fait tourner, quand c'est mélangé, on met l'autre quantité, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois qu'on a mis ça, on rajoute les œufs. Alors les œufs, il y a un œuf entier et 2 jaunes. D'accord. Bien précis, un œuf entier et 2 jaunes. On va rajouter le rhum, les 20 grammes de rhum. On donne un petit coup de mixeur à notre appareil. Alors, en professionnel, on appelle l'ensemble des produits rassemblés un appareil. Hein. Voilà. Donc l'appareil, on lui donne un coup de mixeur. On filme notre bassin. On peut le laisser dans le bassin, hein, si c'est un bassin en inox d'un batteur ou plastique. On peut le laisser dedans, pas peine de salir de la vaisselle. Vous le filmez bien filmé, bien fermé. Vous le mettez au frigo 12 heures jusqu'au lendemain matin. Ça, c'est indispensable de laisser reposer l'appareil. Le lendemain matin, on mélange bien notre appareil. Bien le mélanger parce que la farine aura tendance à descendre au fond du batteur. Il faut bien mélanger. Et là, on préchauffe notre four. On sort nos moules à cannelés ou nos plaques silicone. Et on remplit. Et avec cette quantité-là, vous pouvez faire 25-30 petits cannelés. Oh, on a largement de quoi se régaler. Voilà. Et pourquoi ce temps de 12 heures au réfrigérateur? C'est pour permettre déjà le rhum de parfumer l'ensemble. La farine de gonfler, parce que la farine, vous savez, sous l'effet de l'humidité, va gonfler. Si vous le faites instantanément, on n'aura pas le même résultat. Il n'y aura pas la même liaison dans le cannelé. Je comprends. C'est un appareil à crêpes, hein, le cannelé. Donc il faut qu'il y ait une liaison, que ça épaississe un petit peu. Et si on laisse reposer, ce phénomène va se produire lentement, et au frigo, en toute sécurité, parce que les aliments et les œufs, on ne les garde pas au chaud. Vous les gardez bien au froid. Bien au frais. Voilà. Surtout lorsqu'un œuf est ouvert. Un œuf entier peut se garder à température ambiante, oui. Mais lorsqu'on l'a ouvert, cassé, c'est fini. Il faut que ça soit au froid. Voilà. Donc, alors, 12 heures au réfrigérateur. Voilà. Ensuite, la cuisson. La cuisson, c'est très délicat. Ne pas oublier, bien sûr, de beurrer les moules, comme j'expliquais, parce que le cannelé, il y a beaucoup de sucre. Donc, vous voyez, on a dit, on a un demi-litre de lait, mais on a quand même 245 grammes de sucre. Oui. C'est assez important. C'est très sucré. C'est ce qui va donner le caramel tout autour. Et garder le moelleux à l'intérieur, c'est grâce au sucre qu'on va arriver à avoir ce résultat. Donc, il faut que le four soit chauffé à température de 200 degrés. Alors, bien sûr, tous les fours ne sont pas égaux. C'est pour ça qu'il faut faire au moins 2 ou 3 fois la recette avant de tomber pile poil. Peut-être que certains fours, ça sera 220, 230 ou 180. C'est suivant les thermostats des fours. Mais en général, la base, c'est 200 degrés, thermostat 8. En général, ça marche comme ça. Il faut 45 minutes de cuisson pour cette dimension-là. Et bien veiller à ces 45 minutes. Bien veiller à ces 45 minutes et surtout les contrôler aussi au bout d'une demi-heure. Si ça colore trop, vous baissez de 5 degrés votre four. Si on ça colore pas assez, on réajuste un petit peu. Alors, il faut que la plaque soit mise plus près
de la sole, c'est-à-dire du bas du four que du haut. Qu'on soit plus près du bas, parce que c'est plus difficile à faire cuire le cannelé du bas. La partie basse étant beaucoup plus humide et dans beaucoup plus de quantité, ce sera plus difficile que le dessus qui va recevoir l'air de votre four. Dans un four à air pulsé, ça marche très bien. Dans un four traditionnel, on diminue un peu le temps, ça va plus vite, ça cuit différemment, disons. C'est pas que ça va plus vite. Il faut peut-être diminuer un peu le temps. Mais ça, c'est à la ménagère de contrôler sa cuisson et de vérifier bien sa cuisson. Voilà ce qu'on peut dire sur la cuisson des cannelés, sur les cannelés bordelais. Eh bien, Jean, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Écoutez, Clarisse, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio CHU. Au plaisir de vous retrouver, Jean. À bientôt. Au revoir. Radio CHU, c'est ta radio.